si à la finale il y en a qui s'étaient pas convoqués et pourtant ils sont venus, ça montre bien qu'il est formé, qu'il n'y a pas des individualités qu'ils essayent de se montrer eux-mêmes. Alors ça fait vraiment plaisir. Je pense que tu rentres sur le terrain en première mi-temps, un peu avec, je dirais, le carcamou, un peu revanche. Donc, et après, donc, avec 5-6-0 à la mi-temps, ils ont compris que les consignes, il fallait respecter. Quoi. Ils sont libérés un peu plus, enfin, je pense qu'ils sont libérés facilement, plus facilement qu'en première mi-temps. Et c'est vrai qu'ils sont rentrés en première mi-temps avec la Coupe de l'Europe. Je pense que pour les seniors, elle représente beaucoup, parce qu'ils l'ont gagné une ou deux fois. Par contre, pour nous, c'est magique. Je pense que pour les gamins de 15 ans, comme les gamins de 19 ans qui vont venir tout à l'heure, c'est vraiment magique, quoi. C'est un truc. Mais je pense pas qu'ils sont, je pense pas qu'ils sont encore conscients de ce qu'ils viennent de réaliser, parce que Je vais les laisser tranquilles et savourer, parce que toute l'année ils ont eu à me supporter. Effectivement, je suis quelqu'un de très, très perfectionniste et j'ai le souci du détail, mais le souci du détail c'est le joueur de haut niveau, voilà, ils aspirent à cela. Donc voilà, je vais les féliciter d'abord, parce que la semaine n'a pas été simple, il a fallu gérer pas mal d'émotions. Et je trouve qu'ils se sont bien comportés, c'est ce que je retiendrai. Voilà. Et leur dire que maintenant il faut récupérer correctement, parce qu'on part au championnat de France UNSS, là qui va conclure notre saison. Après une victoire en coupe, une victoire en championnat, voilà, un beau doublé, pourquoi pas un triplé, les 98 l'ont fait il y a 2 ans. On va essayer en tout cas de donner le maximum, c'est ce que je veux leur dire là. Il y a effectivement quelques individualités, il y a des garçons de talent. Maintenant, ils sont formés dans le collectif. De toute façon, quand on fait un sport comme le football, ça reste un sport sur lequel on doit s'appuyer avec des copains. Oui, il y a quelques talents. Comme je leur disais avant le match, ils seront rien sans les autres. Voilà. Donc c'est important qu'ils le sachent, bien. Et c'est ce qui me plaît en fait de travailler avec ces jeunes-là, parce qu'on peut leur inculquer ces valeurs. C'est un plaisir de pouvoir leur communiquer cela. Mais voilà. Il y a des talents, mais les talents, ils sont rien sans les autres.